C'est la Maria Canalis qui est dans les vestiaires avec son mari et ils discutent. Quoi? Get down on your back. Écoute, mets-toi sur le dos. Quoi? Elle veut qu'il se mette sur le dos, quoi faire? J'ai dit. Mets-toi sur le dos. Comme tu le fais d'habitude. What? Elle appelle l'arbitre? Qu'est-ce que c'est? Oh non. J'ai quand même eu des doutes. Mais il y a peut-être encore des doutes, hein. C'est pas, ouais, je sais ce qu'elle va faire. Je vais te battre. Je te pine. Quoi? Elle veut gagner? Non! Mais le challenge pour le titre 24/7? Aura un parent champion? Allez, fous-toi au sol. Oh, c'est pas vrai. D'un côté, dans une même soirée, dans la même famille, il va le faire en plus. Deux champions, ça s'est jamais fait. Maintenant. Bah, je ne crois pas. Maintenant, bah, oh, c'est pas vrai. Il va s'allonger. Elle va le faire tomber, elle va être championne. Regardez ça. Le tomber. Le tomber. 1 et 2 et 3 nouvelles championnes. Nouvelle championne. Et voilà. Voilà. Pourquoi il est là? Elle et l'enfant. Vous pensez que l'enfant va défendre le titre à SummerSlam? C'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Déjà la semaine dernière à Raw, il y a eu Kelly, Candice Mitchell et Aledra, je sais plus comment, qui ont gagné le titre. C'est incroyable. Alors que ferais-tu pour être deux fois champion? Oserais-tu affronter une femme enceinte? Je crois pas, non. Elle est enceinte et on sait, hein, Titus est un haut-parleur. C'était la WWE. Je suis heureux que vous soyez là. Hero of the Week. Ça fait du bruit. Alors, sachez que cette semaine, j'ai rendez-vous avec comment ça s'appelle le médecin qu'il faut voir quand on est enceinte. Le gynécologue. Le quoi? Le gynécologue. Ah, j'ai compris, la pneumologue. Ah, j'ai eu peur, vous comprenez le proctologue. Donc elle a rendez-vous avec le gynéco, j'ai dit. Comment que ça pète? Je suis la première championne en salle! Je suis la première championne en salle! Nous sommes à quelques jours, à quelques semaines d'un rendez-vous qu'on aurait tant aimé. Ah oui, SummerSlam! Randy Orton contre Kofi Kingston! Mais malheureusement, AB1 a arrêté les pay-per-views de catch sur AB1. La WWE a stoppé. C'est-à-dire que quand SummerSlam sortira, il ne sortira malheureusement pas sur AB1. Voilà. Il faudra attendre le lendemain matin pour voir les résultats sur Internet. Voilà. Tout simplement. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager et surtout à vous abonner. C'était Mr. John Cena. Sur ce, ciao à tous.